Aujourd'hui, mon tout premier invité, j'ai beaucoup de chance, c'est un monsieur qui a plein de casquettes, un artiste complet, j'ai envie de dire. Il s'appelle Steve Suissa. Steve, bonjour. Bonjour. Alors, je disais qu'il y avait plein de casquettes, tu es scénariste, réalisateur, producteur, et tu me le disais tout à l'heure, tu as été acteur. Alors, on parlera de ça tout à l'heure pour nos comédiens. Mais ma première question, concerne ton actualité. Pour quelle raison es-tu à Colmar? Je présente un film qui est sorti le 13 octobre qui s'appelle Le Grand Rôle et qui est l'histoire en gros de cinq acteurs de 30 ans qui attendent le grand rôle de leur vie. Et un jour, il y a un metteur en scène américain qui vient à Paris pour monter un film sur Le Marchand de Venise de Shakespeare. Les cinq passent le casting. Il y en a un qui est retenu. Il va l'annoncer à sa femme et sa femme lui annonce qu'elle est malade. Et ne sachant quoi lui répondre, il lui dit qu'il a le rôle alors qu'il l'a pas. Et toute l'histoire de ce film va se tourner en un énorme mensonge d'amour où cet homme va tout faire pour donner du bonheur à sa femme et il va s'apercevoir que c'est le grand rôle de sa vie. Donc c'est un film sur la générosité des acteurs, sur l'amour, sur les sentiments, sur l'amitié, voilà, qui parle de valeurs qui me touchent, voilà. Okay. Alors, tu n'es pas sans savoir que sur le site castingsur.com, on s'adresse donc aux comédiens. On en parlait tout à l'heure. Et justement, reparlons de ces multiples talents, auteur, réalisateur, producteur, acteur. Qu'est-ce qui explique toutes ces casquettes? Est-ce que c'est des passions, tout autant des passions, ou c'est des nécessités? Dis-moi. C'est des nécessités de faire des films. Déjà, j'ai été acteur pendant une dizaine d'années. J'ai eu la chance d'avoir des très beaux rôles au théâtre. Et au cinéma, ça mettait beaucoup de temps à venir. Ou alors, on me donnait des rôles de gangsters ou de choses comme ça très, très courtes. Et j'en ai eu assez d'attendre le désir des autres. Donc, je me suis mis à écrire. Après, j'ai monté ma boîte de production. J'ai fait mon premier film qui s'appelle L'Envol, qui a eu un petit succès. Et grâce à ça, j'ai continué à écrire et réaliser de téléfilms. Après, j'ai produit d'autres films. Et je viens de faire le grand rôle. Et je viens de finir Cavalcade qui va sortir en mars. Et voilà, et en fait, la façon dont je travaille avec les acteurs, puisque moi-même j'ai été acteur, et d'une façon très simple, je ne prends pas de directeur de casting. Je rencontre les acteurs, je lis les CV, je reçois les photos dans ma boîte qui s'appelle Les Films de l'Espoir. Et je m'attelle à faire un casting cohérent à travers lequel je donne la chance à de jeunes acteurs ou d'acteurs qui n'ont jamais tourné, parce que je reste très sensible à l'idée que le vecteur est. La chose qui m'intéresse le plus, c'est l'envie. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu dire une phrase qui m'a surpris, à un de mes confrères, journaliste. Tu disais que tu savais pertinemment que jamais peut-être tu ne ferais le plan génial, techniquement parlant, ou l'énorme film. Ce qui t'intéressait, c'était justement le rapport entre les gens. Tu confirmes? Oui, bien sûr. Je disais tout à l'heure que les raisons pour lesquelles je faisais des films, c'était souvent les êtres humains. La chose qui me fascine et qui m'effraie, c'est les êtres humains dans la vie et dans le cinéma. Donc, j'essaye vraiment de faire un film à travers une histoire, et c'est ça la vedette de mon film. À chaque fois, c'est l'histoire. Et j'essaye de construire les personnages les plus cohérents, les plus crédibles, les plus fous et les plus vrais possibles. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup avec mes acteurs. Avant de tourner les films, je répète des fois 1 mois, des fois 2 mois, des fois 3 mois avec mes acteurs principaux. Et vraiment, j'essaye de fonder des personnages et de créer, avec la complicité de mes acteurs, des personnages authentiques, vrais, et qui ont tous, comme tous les êtres humains, une grande folie, un parti pris de la vie, des points de vue. Voilà. Donc, c'est vrai que techniquement, je travaille beaucoup avec mes techniciens avant pour que tout soit prêt. Et au moment où je tourne, tout est au service de l'acteur. Mais alors, explique-moi, comment fait-on? Moi, je pense à un jeune artiste, qu'il soit comédien, qu'il soit réalisateur. Il est communément accepté de dire que l'artiste a un ego important et qu'il veut faire le chef-d'œuvre ou qu'il veut faire quelque chose d'assez absolu. Comment on résiste à tout ça? Parce que tes propos sont pleins d'humanité. Comment on résiste à justement à ce que j'ai envie d'appeler un peu de l'égoïsme? Comment on résiste à tout ça? Je pense que honnêtement, ça dépend le point de vue qu'on a de la vie. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'arrive à donner, ce que j'arrive à créer par rapport à une énergie et une volonté que je mets dans mon travail. C'est pas de savoir si esthétiquement, avec une coupe de cheveux ou avec un look différent, je vais arriver à accrocher plus de gens. Moi, quand je vois à la fin des projections de province ou à la fin des projections de mes films à l'étranger, ou
que les gens sont émus, qu'ils restent devant le cinéma, qu'ils me disent pas merci parce que c'est une avant-première ou une projection, et que tout d'un coup je reçois des lettres ou j'ai des gens qui tout d'un coup se posent des vraies questions à travers les débats et tout, j'ai l'impression que ma vie sert à quelque chose et j'ai l'impression que c'est là-dedans que moi j'y trouve mon compte. Voilà. Puis que les questions que je pose dans mes films et les points de vue que je pose dans mes films, c'est les points de vue que je me pose dans la vraie vie. Donc j'essaye de faire des films qui sont à la fois et très personnels mais très universels. Donc c'est l'humanité qui me fascine, moi. Je vais plus tomber amoureux de quelqu'un de gentil, d'authentique, de vrai, de sincère, que de quelqu'un de cynique et de talentueux. Voilà. Après, c'est... Je peux pas expliquer pourquoi j'ai une attirance vers ça et moins vers autre chose. C'est juste que j'essaye de faire des choses qui sont en accord avec ce que je suis. Et alors, que peut faire un acteur ou une actrice pour essayer de travailler avec toi? Oui, un CV, une photo au film de l'espoir, rue Geoffroy-Marie, 75009 Paris. Et dès que je suis en préparation ou en écriture, je prends une demi-heure, trois quarts d'heure tous les jours à regarder les CV, les photos. Et si par rapport au parcours, par rapport au personnage et par rapport aux personnalités, ça correspond à quelque chose que je suis en train d'écrire dans des petits, dans des moyens ou dans des grands rôles, ben je la vois, je travaille, je fais des séances de travail, je vois cette personne et voilà, là je viens de finir un film qui s'appelle Cavalcade qui va sortir en mars. Sur 62 acteurs qu'il y avait à l'intérieur, je pense qu'il y en a 30 pour qui c'était leur premier jour de tournage. Voilà, donc je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien ou c'est formidable ou c'est pas bien du tout. Je dis juste que tout d'un coup, ces 30 personnes sont venues avec un trac, une envie, une sincérité qui était agréable et pour eux et pour moi. Tu es acteur, donc tu sais ce que c'est. Quand un acteur ne tourne pas, qu'est-ce qu'il doit faire selon toi? Travailler. Et ça veut dire quoi? Lire des textes, se mettre dans des états à travers des exercices, du travail. Respirer, voyager, observer, lire, aller voir des expos pour voir des cadres. C'est pas le réalisateur qui parle quand il parle de cadre dans une expo? Je pense que avoir d'autres univers, avoir d'autres époques, avoir des couleurs qui vont les unes avec les autres, même en tant qu'être humain, ça nourrit. Moi, j'ai fait ça très tard puisque j'ai pas été à l'école et je suis très autodidacte et donc pour moi c'était perdre mon temps. Donc je dis ça parce que je suis en train de le découvrir aussi en tant qu'être humain. De rentrer dans des univers, d'aller voir le travail des autres et de savoir qui on est et jusqu'où on peut aller. Et d'être sincère avec ça. Et d'essayer de tricher le moins possible. Faut pas essayer de jouer des rôles de composition quand soi-même on n'a pas prouvé jusqu'où on pouvait aller avec sa propre sincérité. Je crois qu'il faut se cantonner à être primaire et sincère au départ. Voilà. Et d'être fort dans ce qu'on sait faire et d'être lucide et d'être honnête par rapport à soi-même. Et d'envoyer des CV, des photos, essayer de participer à des courts-métrages, essayer même d'être stagiaire régie sur un film juste pour voir comment ça se passe et avoir de l'humilité par rapport à son métier d'acteur. Voilà. L'humilité transpire énormément de tes propos, mais à l'inverse, où est la place de la prétention dans ce métier-là? Où elle n'a pas de prétention? Il y en a beaucoup, et on l'excuse souvent quand il y a du talent derrière. Est-elle légitime? Pas tant que ça, non. Non, je crois vraiment qu'on fait un métier d'artisan, et que il y a un jour où on va faire le film sur lequel on est le plus en doute possible, et peut-être qu'il va être le plus grand carton, et il y a un jour où on va faire un film avec des vedettes qui va être un flop, et par rapport à ce qui se passe dans le monde, quand on fait du cinéma, on peut contribuer à donner du bonheur aux gens, mais on est quand même acteur, metteur en scène, on fait des métiers de rêve, où 40 personnes nous demandent tous les matins comment on a dormi, donc il faut se calmer. Vraiment, il faut se calmer. Bien, ben Steve, merci beaucoup, je crois que ce sera la fin, merci beaucoup. Merci à vous.